L'art est une arme de destruction massive. Attention! Mets-toi au boulot. On va peindre ces murs-là. Mais la police assure ses gardes. Encore toi et ton art de rue? Arrête d'endommager les bâtiments de la ville! Tu devrais d'abord apprendre à peindre. Mademoiselle Blondie est la parente éloignée de Van Gogh et elle a une école d'art. Elle peut rapidement transformer les vandales en vrais artistes. Et maintenant, travaille sur tes chevalets. Bienvenue dans le monde de l'art. Pourquoi tu veux nous apprendre? On peut peindre n'importe quoi. Ou on peut utiliser un pinceau. Mais notre professeur a des méthodes différentes. Vous n'avez pas besoin d'outils banals. Aujourd'hui, on va peindre avec tout ce qu'on a à portée de main. Colle à chaud un bouchon au fond d'un gobelet en plastique. Fais des trous autour avec la bûche chauffée d'un pistolet à colle. Retourne le gobelet et place-le au centre d'une toile. Verse de la peinture acrylique liquide en couches. Regarde comme ça se déverse sur la toile. Retire le gobelet et incline légèrement la toile pour étaler la peinture sur toute la surface. Mais crée un chef-d'œuvre abstrait. Sa peinture est chaotique, comme ses pensées. Mais c'est joli. Et ce tableau est fait avec une centrifugeuse. Place un presse-citron sur une toile propre. Verse de la peinture acrylique liquide dessus. Et recouvre toute la toile de peinture. Qui aurait cru qu'une centrifugeuse pouvait être si talentueuse? Je peindrai un jardin d'orange la prochaine fois que je ferai du jus. En fait, c'est génial! On peut pas le peindre sur un mur. On utilise des pastels dans le cours d'aujourd'hui. On voudrait bien nous débarrasser de cette tâche et de cette école. Meg n'a plus de pastels. Le cours est fini? Ne vous faites pas trop d'illusions. Vous pouvez facilement vous procurer du pastel DIY. Mélange du plâtre avec de l'eau. Dilue de la gouache dans de l'eau. Et ajoute quelques cuillères de plâtre. Remue bien. Place la masse dans un moule. Utilise différentes couleurs de gouache pour faire différents pastels. Laisse reposer 3 jours. Mets les pastels prêts dans une boîte. Vos pastels sont si beaux! Ce sont de vraies étoiles de couleur! On peut faire des chefs-d'œuvre avec! Dans notre école d'art, on ne peut pas seulement dessiner sur des toiles, mais aussi sur des vases. Vous aimez ce modèle? Les étudiants adorent ça! Attendez! Vous n'avez pas encore vu la technique. Ce processus coloré est tellement hypnotisant. Retourne un vase en céramique avec le fond vers le haut et place-le sur un support à gâteau rotatif. Fais tourner le support et verse de la peinture acrylique liquide de quelques couleurs sur le vase. Enduis le vase d'un vernis acrylique lorsque la peinture est sèche. Commençons à créer. Donne à tout le monde un support rotatif. Une tasse et de la peinture. Et le membre le plus important du spectacle, le vase. C'est parti! Waouh! La beauté coule dans le vase et crée un joli motif. L'important, c'est de continuer à faire tourner le support. C'est une vraie fontaine d'art.
Ces gouttes de marbre sur les vases sont envoûtantes. C'est comme de la thérapie artistique. Il y a tant de techniques d'art mystérieuses. Par exemple, Mademoiselle Blondie peint sur le visage de Meg avec de la peinture invisible. On dirait qu'elle est plongée dans l'art et qu'elle ne reviendra plus jamais. Qu'est-ce que tu fais? Y a rien là! Jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Oh mon Dieu! Meg ressemble à un fantôme! L'artiste a utilisé de la peinture qui ne peut être vue que dans l'obscurité. Quelle blague amusante! Mademoiselle Smith est allée faire du shopping pour un cours d'art. Est-ce que notre peintre a vraiment un sac blanc aussi simple et monotone? Ça marchera pas! Mon Dieu! Il faut qu'on le change tout de suite! On a quelques ustensiles de cuisine, comme tu nous l'as appris. Mets une planche en plastique dans un sac à provisions en tissu pour que la peinture ne tache pas le dos. Applique de l'après sur le devant du sac. Verse deux teintes de peinture acrylique liquide au-dessus. Étale ça avec une spatule en silicone. Peins des rayures larges. Transforme-les en cactus. Ajoute des nuances. Peins les points comme des épines à l'aide d'une brochette de bois. Crée une fleur blanche avec le manche d'un couteau. Ajoute un centre de fleur à l'aide d'une petite cuillère. Définis les pétales avec une brochette en bois. Peins quelques fleurs sur le cactus. Laisse sécher la peinture. Maintenant, le sac à provisions a l'air beaucoup plus lumineux. On remarque tout de suite que la propriétaire a bon goût en art. On peut facilement créer un chef-d'œuvre de style libre dans notre école. Par exemple, comme celui-là. On n'a même pas besoin d'un pinceau pour le faire. Verse de la peinture acrylique liquide bleue sur une toile. À l'aide d'un couteau à peindre, étale-la sur l'ensemble de la toile. Applique de la peinture acrylique liquide blanche aux trois coins. Crée un motif abstrait avec un couteau à peindre. Trempe un long fil épais dans de la peinture dorée. Place-le sur la toile. Tourne la toile et retire le fil petit à petit. Vaporise de la peinture avec un pinceau. Waouh ! Tine admire le travail de notre peintre. Mais Megan connaît de meilleurs ouvrages. Un accident d'art ! Oups, tout est mélangé ! Regarde-moi ça ! Maintenant, on a de la semoule colorée. On a besoin de l'utiliser pour un tableau. Je parie que notre prof va adorer ça. Dilue de la peinture acrylique avec de l'alcool à brûler. Remue bien. Mets de la semoule dans la solution. Et remue jusqu'à ce que ce soit complètement coloré. Tamise pour éliminer les grumeaux. Fais de la semoule de différentes couleurs. Enduis un dessin de colle et saupoudre-le avec la semoule colorée. Fixe un fil pour faire un contour. Et ajoute des parties d'un visage mignon. Notre chef-d'œuvre est terminé! Génial! Cette technique est si inhabituelle! La semoule graphique est une nouvelle forme d'art moderne. C'est un vin, les gars! Les amis utilisent des pastels.
C'est quoi ce style? De la peinture rupestre? Et à quoi vous dépensez vos provisions? Maintenant, le professionnel vous montrera un style qui est vraiment unique. L'art sur papier de verre. Ouh, ça va être aiguisé! Dessine un croquis au crayon sur une feuille de papier de verre fin. Colorie-le avec des pastels. Estompe-le avec tes doigts. Ajoute des reflets blancs. Et une plage pourpre. Dessine un arbre à l'avant. Fixe le dessin avec de la laque pour cheveux. Des mouvements tranchants, une surface rugueuse, des couleurs vives. Ce style n'est pas pour les faibles. Le papier de verre vous montrera quel genre d'artiste vous êtes. Oh, maestro, c'est si lumineux! Ton dessin est incroyable! Meg distrait son collègue tout le temps. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Ma peinture est ruinée! Pas du tout! Transformons ton paysage en lumière polaire. Fais des vagues sur une toile noire à l'aide d'un pinceau sec et de peinture blanche. Ajoute des lignes partant des vagues jusqu'au sommet avec différentes nuances de bleu. Crée un effet de lumière polaire. Peins de la neige bleue au fond. Et des épinettes bleues couvertes de neige. Peins un ours blanc au centre. Oui, le tableau est sauvé! Bon travail! Meg est une super gestionnaire de crise artistique. Peindre sans se reposer, c'est trop fatigant. Mais Blondie ne dort pas. Choisis tes outils et crée. On va vraiment utiliser ça? On fait quoi avec un rouleau à peindre et un couteau à peindre? Un autre chef-d'œuvre! L'important, c'est de travailler ensemble. Applique des points de peinture acrylique sur une toile. Étale-les avec un couteau à peindre. Déplace un petit rouleau à peindre par-dessus. Joins les couleurs ensemble. Tu obtiendras un ciel bleu incroyable. Vaporise de la peinture jaune avec un pinceau. Crée un ciel étoilé. Ajoute quelques étoiles brillantes. Applique trois points avec de la peinture foncée. Et utilise un couteau à peindre pour les transformer en sapin. L'art moderne est extrêmement compétitif. Les créateurs se battent à nouveau pour de la peinture. Mon rouleau à peindre te défie dans une bataille, misérable couteau à peindre. En garde! Calmez-vous! Arrêtez le combat et rendez-moi mon chevalet. Vous vous battez sans raison. Le tableau s'est bien passé. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une touche finale avec un pinceau. Et ce paysage forestier est fini. Beau boulot! Le cours à l'école de Mademoiselle Blondie est terminé. On reconnaît le pouvoir de l'art. Tu as aimé nos astuces artistiques? Alors commente ci-dessous quelle nouvelle technique tu veux utiliser dans ta peinture. Et n'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne surtout pas manquer les nouvelles astuces utiles de Troom Troom.